causé sous table là, même si il y a pile causé dans le pays. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Ça veut dire que, pour faire baisser que donc l'argent fait chien levé dans le CA. Permettez la toute, c'est gros gossé. Oui. L'argent fait chien levé dans le CA. Ah oui. Mais heureusement, c'est un proverbe. Heureusement, c'est un proverbe. Hein. Peut-être l'équipe qui a écrit le proverbe, ça, c'était l'équipe qui a une dignité, qui a une personnalité. Oui, ça me l'est douleur. Oui. Est-ce que l'argent fait chien levé dans le CA? Oui. Non, écoutez. L'argent fait moun levé dans le CA. Mais, alors, bon, l'autre bagage. Non, mais pourquoi on moun a un chien levé? Pourquoi on moun a pas ce moun levé dans le CA? Oui. Alors, ça me l'a expliqué. Non, t'as pas encore, comme si c'est. Oui, la forme humaine, c'est un moun. Mais son chien lié. Tout en dans le net, c'est chien. Mais, alors, ça me l'a expliqué. À l'époque que le proverbe a été écrit, c'est vrai. Moun pas de lever dans ses rien. Moun pas fait folie pour faire moun. C'est peut-être. Vrai. Moun gosse de bagaille, moun t'es toujours apprêté moun. C'était ça. Ou venez dans la cour, ça avec principe. Ou, même prêter ou allemande ou moun prêter ou gêné. C'est dans l'autre pays. C'est dans l'autre pays. Mais ouais. Pays aujourd'hui, hein, c'est pas cher. Non, écoutez. Non. En tout cas, c'est basse. En tout cas, l'argent fait chien levé dans ce pays. Tout ça qui gagne là, pratiquement dans le pays, tout ça qui gagne là, on a toujours dit même si on battait des bas. Tout ça qui gagne là dans le pays, c'est une bataille pour les intérêts. Personnel encore. Okay? Et personnel. Oh. Intérêt de groupe, intérêt de clan. Est-ce que nous toujours dit ça dans le débat? Toute bataille politique là dans le pays, les résumés en grand bagaille, les résumés en bataille pour les intérêts. Intérêt de groupe, intérêt de clan. Mais Mbaba nous menti, il vient à un niveau qui pivot, qui sait qu'on y a intérêt de race. Madame, monsieur, le racisme, nous pouvons insister sur lui en émission Maté Débat. Eh bien, les plus profonds que ça ne comprenne ce qu'on a gardé dans la relation de groupe à des groupes pratiquement dans le pays. Ce n'est pas deux messages que nous allons recevoir, ce n'est pas deux appels que nous allons recevoir. Il y a des gens qui disent nous devons mettre dans toute précaution, prendre ceci, prendre cela. Il y a des gens qui prennent les messages, il n'y a pas d'attaquer ceci, il n'y a pas d'attaquer là. Même si tout le monde n'a pas payé, nous ne pouvons pas fonctionner en tant que monde. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, eh bien, vous songez, l'été, Guélan Moore, Maître Chesnel Pierre, ça me dédouble maintenant tout ça, me dédit ça. La vie, nous avons notre conception de lui. Eh bien, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, je viens d'ancrer donc beaucoup plus avec le pays d'Haïti. C'est comme si je n'aime pas marié. Non, je n'aime pas j'aime marié avec le pays d'Haïti. Donc c'est l'un mort, cet assassinat, hein, qui nous fait que je dis, aujourd'hui, je suis marié avec le pays d'Haïti. Alors, quelle raison pour ça, oui, quelle raison pour ça. Nous-mêmes, c'est l'histoire du pays, nous qu'on appelait. C'est histoire et tout assassinat qu'a fait au niveau international. Très bien. Surtout dans le pays africain, eh bien, nous avons longtemps appelé, nous avons gardé les gens qui ont une chance, comment le président a assassiné, comment les gens ont mouru. Très bien. Mais nous ne pas de vivre dans le cas de président assassinat. Dans l'âge, nous ne pas vivre comme ça. Nous ne pas vivre comme ça. Nous même ça nous vivons, étant surtout les gens qui sont en province, si nous voulons dire en dehors, eh bien, ou bien dans le monde. Par un nous empêcher nous même du moins la question politique. Mais j'arrive dans l'université par la Goumavel, il pas accepté même chita dans bagaille politique. Non, il pas voir dans ça. OK. Mais c'est normal parce que habitude sont pas gagné. Ou pas gagné, ou pas lever là-dedans. Ou pas lever là-dedans. Très bien. OK. Tout le monde attend dans balle aujourd'hui, tout le monde attend matin débat. Gédé pas nous parler dans matin débat, gagne mon qui pense c'est jouette comme si c'est un jouette. Et force à arriver pour aujourd'hui, pour nous donner beaucoup plus d'importance à la réflexion que nous produisons sur le débat, à l'information que nous communiquons, madame, monsieur, sur le débat. Avant d'entrer dans le détail, bon, dis-nous qui vient que m'apprenne l'assassinat du président Jovenel Moïse.
je crois que c'est le premier monde qui m'attend à tout, qui informe le pays sur la toile des réseaux sociaux de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et dans la soirée du 6 au 7 juillet, là on a parlé de mardi à mercredi, 2021, madame, monsieur, je suis entré là quand même 11h du soir. À 11h du soir le matin, et là quand même mon petit balcon, ok, qui coulait avec le salon, et puis me sous balcon, m'a pris un vin, et puis m'a monté du vin et il m'a fumé mon cigare, et puis m'a fait des musiques, et puis m'a fait des matins des balles, m'a regardé tout ça qui gagne, donc sur tout là comme émission réaction. Comme réaction, ben, comme documentaire, et puis l'a balancé vers 1h30 du matin. Et puis, je m'entendais, madame, monsieur, moi habité dans la commune de Pétionville, je m'entendais trois détonations pour m'entendre dans tout. Donc, c'est trois bombes. Premier bombe, je m'entendais le biou. 1h du matin, 1h30 du matin, elle dit que c'est toute commune net qui t'entendait parce que la terre fait frette. La terre, en silence. Oui, silence complet. Et puis ça m'a inquiété parce que pour moi-même, on est que nous avons circonstances, nous avons pays, qu'on est que. Il y a la mode. Il y a un problème qui a la mode, l'insécurité. On est capturé dans Pétionville. Nous tendons deuxième détonation. Biou! Ça attire l'attention. Et puis je m'arrête sous le balcon. Hein, pour me garder dans la zone. Environnement, pour me garder plus ou moins si on a fumé qui sorti. Ou bien si il y a des étincelles qui fait que pour me plus ou moins localiser côté balay. Je suis rentré encore dans le salon, troisième nom dans la troisième détonation. Biou! Je dis, ça veut dire un bagage. Mais jusque-là, je m'attends à tout, je m'inquiète parce que. Nous, on a habitué à ça dans le pays. Ouais. Balle capturée, détonation, sans problème. Oh! Après 15 minutes, nous entendons rafale balle, ZAM automatique, 5 ampé, d'attire, nous, 5 ampé. Toute qualité, ça monte de net. Je dis, ah! Jusqu'à là-bas, il y a un problème, il dit que les gens ont voulu la fêter, les gens tiré. Moi, j'étais sur le balcon, je finis de fumer un cigare, là. Moi, je bois du vin, et puis je ne m'occupe pas de l'air encore. Et je regarde des documentaires, je regarde des films. Et puis vers 3h du matin, pourquoi j'aime qu'on guille les noms, le matin. Elle dit, je vague. Parce que je me dis, non, bien, ce que je dis, bon, je ne vais pas dormir, là, soir. Je me retire stress, je charge son paquet de bagailles. Là, il 3h, 4h du matin, porte me frappe. Oh, je suis paniqué. Je dis qui est-ce qui frappe porte moi ça? Et puis qui est-ce qui frappe porte moi? Jean Ismaël Valestin qui habite pratiquement dans la même zone. Là, Ismaël débarque. Je dis, oh, tu crois ça passe la même chose que je suis allé. Je dis, la République en danger ou pas capable de dormir dans le ça. Je dis, oh, comment ça? Ismaël entre. Et puis là, Ismaël entre. Là, je dis, ou pas faire une nouvelle. Je dis, non, j'aime pas checker le téléphone, les réseaux sociaux. De là, quand même, je fais relax. Je dis, non, mon cher, il y a un groupe de messieurs qui débarquent avec le président. Et à ce qu'il paraît, il y a un leg qui contrôle le président. Je dis, oh, Ismaël Valestin, c'est quoi d'être à son là? Je dis, oui, Louko. Bien matin à tout, mon téléphone, moi, je me garde, il est 4h du matin. Je dis, oh, 4h du matin. Et puis, on a cherché information, mais nous pas qu'à jouer une information. Je dis, mais pas de problème, Ismaël, on avance. J'ai appelé le ministre de l'Intérieur, Gonzague. Je suis contacté, je me dis, Lugo, oui, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un groupe de nègres qui t'a laissé tenter rentrer comme président. Et c'est tout ça que je dis. Le ministre de l'Intérieur dit, Lugo, c'est tout ça que je dis. J'ai raccroché. Elle dit, je ne vais pas faire même. Je dis, ça en fait. J'ai appelé le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Opfeller Vincent. Téléphone sonné pendant deux fois, troisième fois le téléphone.
dit, monsieur le ministre, quel est donc l'état actuel de la situation? Ministre de justice a dit, nous connaissons une situation très grave. Je dis, monsieur le ministre, frère, je dis, nous avons parlé, mais nous avons dit que la situation est très grave. Et c'est tout ce que je peux te dire. Je vais accrocher le téléphone. Qu'on y a entre temps, Ismaël lui-même l'a vu l'information qu'a vu Johnny. Il dit, et puis il a montré la situation dans la rue. Nous avons capturé par ça. Commencé à prendre au sérieux, me dit qu'il y a des problèmes dans le pays. J'ai appelé le président de la République. Je suis allé sur le téléphone, président Jovenel Moïse. On a sonné. Il a sonné sans réponse. Yeah. Parce que Gongo écrivait, comme vous n'allez pas confirmer l'information, c'est concerné à Mouguele, d'accord? Claire. Parce que le président en danger, il y a un problème, le ministre de justice n'a pas capable de toute information, le ministre de l'Intérieur n'a pas capable de toute information, et puis je me dis, on le dire, vous n'allez pas vous n'allez pas démissionner bien. Mais que nous avons le président. C'est grave. Téléphone sonné sans réponse par l'internet. Oui. Là, mon téléphone, président Jovenel Moïse, sonné sans réponse, je dis, ma PC en dernière fois. J'ai appelé madame monsieur Dimitri Erard. Téléphone sonné. Dimitri Erard par téléphone. Non, moi je l'ai Dimitri. Téléphone a sonné, il n'y a pas de pick-up. 3 minutes après, Dimitri Erard retourne m'appel là. Ben matin, me dit monsieur, commandant, je cherche information, ça va aller. Dimitri Erard a eu à me dire, désolé Louko, on vient d'assassiner le président de la République, monsieur Jovenel Moïse. Je me dis, oh! Dis, comment ça fait arriver? Il dit, Louko, un commando composé de Colombiens et de Vénézuéliens fait irruption à la président, ils ont assassiné le président. Je disais que pendant que je avec moi, Jovenel Moïse mouille. Je dis oui, nous connaissons, confirmé, le président de la République vient d'être assassiné. Je vais de la doute, le M.C.K. 4h30 du matin. Laisse ça, en présence de Ismaël Valissien, dans le salon de la moi-même avec Ismaël, nous confirmons l'information dans le pays. Et c'est dans le même moment ça, Ismaël, pour téléphoner, il est là à Jobega. Il fait le premier flash là, affirmatif. C'est là ça tout. Moi, je monte sur les réseaux sociaux, et puis je produis texte, qu'on voit maintenant tout, et puis je mets l'information dans le pays.